procès de Laurent Gbagbo, voici la dernière décision des juges. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Une audience dans l'affaire Gbagbo devant la Cour pénale internationale était prévue se tenir du 11 au 13 mai 2020. Elle devrait être le lieu pour les juges d'écouter les observations des différentes parties sur la procédure d'appel initiée par la procureure Fatou Bensouda. Face au contexte sécuritaire dû à l'épidémie du Covid-19, Fatou Bensouda, procureur de la Cour soutenue par la représentante légale des victimes, avait plaidé pour une annulation ou un report de l'audience avec des mesures adaptées. Dans une décision rendue ce 30 avril 2020, les juges de la chambre d'appel se sont prononcés sur cette requête. Ainsi, ils ont décidé de programmer cette audience pour le 27 mai 2020. L'audience, dans le cadre de cet appel, actuellement prévue du lundi 11 mai 2020 au mercredi 13 mai 2020, aura désormais lieu entre le mercredi 27 mai 2020 et le vendredi 29 mai 2020. La chambre d'appel communiquera là où les dates exactes et la forme de cette audience, virtuelle ou non, en temps voulu, y compris un calendrier de l'audience, indique la décision signée du juge nigérian Chile Obosu. En ce qui concerne les observations éventuelles des différentes parties, la Chambre a souhaité qu'elles n'excèdent pas 25 pages et qu'elles soient déposées au plus tard le 22 mai 2020.